Salut à tous, c'est Nifexfut, on se retrouve sur Minecraft Story Mode saison 2 les amis, une nouvelle année avec 5 épisodes qui est prévu. J'ai directement acheté le pack qui vaut, si je fais des bêtises, 28 euros pour les 5 épisodes. Vous pouvez également autrement acheter directement épisode par épisode, je crois que c'est combien, 6 ou 7 euros l'épisode. Il me semble, ça achète unité, un truc comme ça. Bon, dans tous les cas, c'est en vente, c'est reparti pour une nouvelle saison. Je savais dans les fiches, il y a les liens vers la première saison, si vous ne l'avez pas vu. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'on peut importer justement nos choix. Donc, quand on lance la saison 2, donc l'année 2, je crois que c'est saison 2 qui s'appelle ça. En fait, on peut choisir d'importer la saison 1 par rapport à nos choix. Donc, déjà, on peut les importer pour avoir la suite logique de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais on peut également modifier nos choix. Donc plutôt cool, c'est une bonne chose. Perso, j'ai laissé comme c'était. Comme ça, on suit une logique, on continue comme ça. Et c'est parti pour l'épisode 1. Il y aura un épisode tous les jours, j'imagine. Enfin, épisode. Faut pas confondre épisode vidéo et épisode. Parce que l'épisode 2 arrivera d'ici 1, 2 mois, on ne sait pas. Enfin, il faut à chaque fois attendre, je pense, d'ici un mois à peu près. C'est tous les mois, il y a un épisode. On verra ça. Enfin. Mais donc, nous, voilà, enchaînant en vidéo, on va faire, je pense, sur 3-4 vidéos l'épisode 1. Enfin, c'est parti, héros à résidence. Alors que son cœur balance entre ses vieux amis et ses nouvelles responsabilités, Jess va plonger dans un monde dangereux et mystérieux après la découverte d'un étrange gantelet prismarin. Ok, bah écoute, avec grand plaisir. On y va, on espère que ça va le faire. J'espère que ça a moins bugué que le 1. Alors, à peine visible, un petit peu plus de lumière sans que vous voyez quelque chose, on va mettre comme ça. On va le mettre comme ça, devrait le faire. Et c'est vrai que j'espère vraiment que ce soit moins bugué que la saison 1. Saison 1, il y avait beaucoup de problèmes, notamment au niveau des commandes. En fait, il t'affichait une commande, mais c'était pas cette commande qu'il fallait appuyer. Je disais appuyer sur B pour te sauver. T'appuyais sur B, puis tu mourrais comme une merde. Parce qu'en fait, il fallait appuyer sur A parce que le jeu était bugué. Il t'affichait un B en star. Donc j'espère vraiment que ça aille corrigé. Parce qu'il faut avouer que c'est un petit peu gênant. Puis il y a des fois des traductions pas faites, des textes. Enfin, voilà, c'était le bordel. On va pas se cacher. On espère que ça ira mieux. On croise les doigts. Cette série de jeux s'adapte aux choix que vous faites. L'histoire est déterminée par votre façon de jouer. Effectivement, donc ceux qui n'ont pas suivi la saison 1, c'est vraiment ça. C'est chaque choix que tu fais va changer la suite. J'ai toujours aimé les histoires où les héros n'ont aucune idée d'un grand destin qui les attend. Prenez des héros avec une vie tranquille qui s'imaginent quelque chose, qu'il ne leur arrivera jamais rien d'extravagant. Une vie normale. C'est le genre de héros qu'on trouve dans cette histoire. Tu fais commencer avec une bande d'amis dans une cabane. Ils admiraient leurs cochons, leurs idoles qui les avaient précédés. Mais quand la catastrophe a frappé et qu'une monstruosité démoniaque a menacé d'étruire le monde, ses amis ont découvert que le héros, c'était eux, pouvaient avoir de très modestes origines. Effectivement, on a assuré. Ils ont arpenté le monde pour combattre ce monstre et ont dû braver toutes sortes d'obstacles et de sacrifices. Un périple difficile, mais ils étaient solidaires. En unissant leurs forces, ils ont exterminé la bête et sauvé tout le monde. Mais ce n'est pas fini. Bon, je vais parler, j'annonce tout de suite, je vais parler constamment. Ils sont vite devenus les personnalités les plus célèbres du monde entier, leur légende n'aura cessé de grandir. D'autres univers s'enfonçaient dans des régions inconnues. Ouais, je pense qu'ils vont nous en vendre des centaines des épisodes comme ça. C'est infini, ils vont pouvoir nous vendre ça constamment. Enfin. Et voilà comment ces 5 amis ainsi que leur cochon le plus courageux du monde sont entrés dans l'histoire en tant que héros, le plus formidable ayant jamais vécu. Mais c'est quand même des bons gros glandes, on va pas se cacher. Non, faut pas être truc somme. Pas toujours fidèle à la réalité. Parce que c'est lui qui a écrit l'histoire, effectivement, c'est pas tout à fait ça, on est d'accord. Pour la dramaturgie. Disposer d'un temps limité pour décider. À toi de décider, Lucas, mieux vaut être honnête, une bonne histoire avant tout. Une bonne histoire avant tout. Soyons des mythos, soyons des héros. Après tout, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Donc, écoute, personne n'était là pour dire le contraire. Si tu es prêt à inclure les schématiques, nous devons parler, mais... Je pense que je suis ok. J'avais espéré l'avoir prêt à lire le jour de la fondation, mais... N'importe quoi. Next year. I can't believe it's founding day already. It sneaks up on me every day. Oh, déjà fait des fondations, I'm proud of you for finishing it. That took a lot of work. Bravo, mon gars, t'as bien bossé. You did so much, Jesse. You're a real hero. But... We all did, right? Yeah. Le gars qui a dormi absolument rien foutu. Mais non, t'as assuré, t'inquiète pas, toi aussi. C'est moi le chef, on a réussi ensemble, vous êtes jaloux. On va faire le gars sympa, après vous criez dans les commentaires. Quand je suis méchant, après vous dites, oh, t'es pas gentil! L'année dernière, dernière fois que j'ai fait les épisodes, il y en a qui ont tellement ragé, j'ai fait des choix d'enfoiré, et les gens m'avaient insulté en commentaire en mode j'étais un gros FDP fini. Le mec, il prenait vraiment au premier degré le jeu. Once Ivor and Harper get back from their adventures, I can add a chapter about them, and then it will finally be done. Man, they've been gone a long time. Long time. Ils reviendront, t'inquiète pas. Ton stagiaire. On dirait son prof, c'est...
Hey, Radar. Oh, gosh, wow. I didn't know all of you would be in here. Olivia, ma'am, Axel, sir, Lucas, sir. So sorry to interrupt everyone. Bah, il parle, s'il te plaît. T'inquiète, Radar, on est occupé, ne te fais pas pour ça. Oh, j'aimerais tellement l'envoyer bouler. Mais on va être sympa. On va faire le gars cool, mais j'ai vraiment envie de l'envoyer bouler. What? Pourquoi je suis une femelle? J'ai pas choisi ce perso, j'ai choisi un gars. Attends, c'est une blague? Je suis la femelle là? Je rigole, la fille. Mais j'ai choisi un homme tout à l'heure. On m'a demandé de choisir les personnages. Wouah, ça a déjà bugué. J'ai choisi un gars, ça m'a foutu une fille. C'est quoi ce délire? Ah, là, je me sens arnaqué, vois-tu. Ah, on est une équipe, écoute, on va faire le gars sympa. Ah, mais je suis trop dégoûté, j'en ai rien à foutre de cette fille, dégage! Qu'est-ce que tu fous ici? D'un seul coup, c'est une fille qui apparaît. Normal, alors que tu étais... Mais c'est quoi cette blague? Mais fous le camp! T'as rien à foutre ici? Je me disais depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle foutait la fille là? Je vous jure, j'ai choisi le gars tout à l'heure. Tu peux choisir en défi des garçons, différentes couleurs de peau. J'ai pris celui qui avait quitté la peau blanche comme un cul comme moi. Et un gars. Ça, c'est pas un gars, je peux vous le garantir. Là, il y a. Entre ses deux jambes, il manque quelque chose. C'est quoi cette blague? Oh putain, ça commence bien, c'est déjà bugué. Il prend déjà pas le choix que j'ai fait. Ça commence bien, écoute. Les autres villes ont fait des fondations différentes, hein. Le Whiter Storm. Redstonia even hosts a whole dance in Eligard's honor. Numéro de danse. Yeah, it's mostly TNT and fireworks in Boomtown. Ah, j'avoue que le feu d'artifice TNT, c'est intéressant. Mais dégage, qu'est-ce qu'elle fout là, la fille, ça n'a aucun sens. C'est quoi cette blague? Du coup, je pourrais même pas le changer en plus. Je suis tellement heureux que tu sois là. Je m'en bats les couilles de ta gueule. Ah, oh, vas-y. On m'a dit qu'on serait gentil. Mais j'ai tellement envie d'être méchant. Yeah, man. Always love an excuse to visit Beacon Town. Bon, il est content. C'est déjà ça. Thanks again, guys. I'll let you know as soon as I'm done with the revisions. Oh, cool. Can't wait. Axel. Allez, sois gentil. Et je pense pas dans les options, je pourrais changer mon perso à présent. Just the luckiest, yeah? Oh yeah. Getting to work with you. Tempted Games present. En association avec Mojang. Non, merdeur, qui me crée des messages sur le groupe. J'arrive pas à les enlever, c'est super chiant ces messages. Minecraft Season 2. Ouais, c'est bien saison 2. Story mode. Waouh. Une histoire. Oh, c'est même traduit en français. Enfin, ils se sont appliqués là cette saison. Ils ont même traduit en français le texte là. Épisode réalisé par John Studer. Ah, c'est cool. Ils ont enfin traduit. Ça, c'est cool. Avec les petits perroquets, une des nouveautés. J'ai pas de bêtises. Julie, d'accord, on s'en fout un peu en fait que qui c'est qui a créé ça à vrai dire, pour t'expliquer. Mais vas-y. Bon, c'était plus épique les précédentes saisons quand tu voyais les génériques. Là, au niveau épicness, y a mieux. Musique originale si tu veux. La petite ville, oh elle est sympathique. Parce que j'espère c'est vraiment pouvoir changer le personnage, je suis un peu dégoûté là. Attends, si j'appuie sur Star, dis-moi que je peux changer s'il te plaît. Dégage-moi cette femelle. J'ai rien contre les femelles, mais là je suis pas une femelle, vois-tu. Je suis un mâle viril, beau et viril. Ah, oh, je vais me faire défoncer en commentaire. Non, non, je ne peux pas, je me suis fait bip par le jeu qui m'a littéralement bip bip. Bon bah, on va devoir jouer une femelle jusqu'au bout. Cet endroit est tellement cool, mais mes amis me manquent, j'adore l'aventure. Allez, supportez Coronas. Mais sérieux, c'est ridicule! Qu'est-ce qu'elle fout là? I've never really been the adventuring type myself. Too dangerous. D'accord, lui ne porte pas ses coronets. En plus, il y avait tout le côté amour avec Petra, tout ça, du coup, ça n'a aucun sens avec elle. Disais LS pour déplacer et RS pour raider aux alentours. D'accord. Je pense qu'on va y arriver. Statue, regardez. Maintenir la touche RT enfoncée pour marcher plus vite. D'accord, si tu veux. Ah, elle marche pas plus vite. Et pourquoi elle se barre sur tout ça, vraie question? What? Qu'est-ce qu'elle nous fait? D'accord, elle partait toute seule. Elle m'a pas respecté, la fille. Elle m'a littéralement pas respecté. Je te jure, ils ont aucun respect. Je vais à la fin de l'épisode si je peux réussir, depuis le menu d'accueil, changer. Parce que ça me paraît vraiment étrange. Tu peux regarder la statue, s'il te plaît?
D'accord, elle s'en fout littéralement, elle l'a pas regardé. Ah, le jeu ne me respecte pas, ça promet. Ça promet du lourd. Ok, j'arrive. Ah, statue regardée. Ah, c'est la statue là-bas, c'est pour ça qu'elle se barrait, c'est une statue loin. Peut-être petite quiche. Je parie que ce genre de déco rendrait super bien sur la pelouse de la... D'accord, je paye la suite. Ça va vite, hein. Faut pas être précis, justement. Montre-moi un peu ça, enfin. Là, on peut parler avec du monde, on va se promener un petit peu, écoute, quand même. Profiter un petit peu de la vie. Hein. Salut tout le monde! Ce que j'aurais pu faire, n'empêche, c'est... Attends, ellipse, je vais vite retourner sur le menu d'accueil, voir si je peux changer. Bon, j'ai complètement réinitialisé le jeu, l'épisode 1. Malheureusement, le jeu m'a pas proposé de reprendre un personnage. Je pense, du coup, c'est vraiment sauvegarde au niveau de la sauvegarde globale. Donc, il faudrait complètement tout supprimer, ce qui est un peu gênant. Donc, écoute, on va jouer avec elle. Je suis clairement déçu. Vive les bugs. On a à peine commencé qu'on a déjà des bugs de folie, quoi. C'est Minecraft Story Mode, Telltale Game. Enfin, vraiment, faudrait débugger vos jeux. Choisis un homme, il me file une femme. Tout va bien. Bah, écoute, on va pas mourir en même temps. On va pas mourir, vas-y, on se dépêche un petit peu, on va avancer. C'est vrai que du coup, j'ai dû me retaper les 10 minutes d'intro, là. Je pouvais pas le passer en plus, ce qui était un peu gênant. Mais c'est pas grave, écoute. C'est à leur dire bonjour. D'accord. Du coup, les choix ont peut-être pas été exactement les mêmes que tout à l'heure, parce que souvent, en plus, je les ai ratés, les choix. J'étais en mode touriste. Donc, j'ai peut-être raté, c'est pas très grave. Attends, RT, tu m'as dit RT pour marcher plus vite. Je trouve pas que je marche plus vite. Je peux pas quand même l'animation. Always. Why? Toujours, pourquoi? D'accord, ça n'a pas le moindre intérêt ce qu'elle nous raconte. Je pensais qu'il y aurait des trucs un peu à découvrir qui auraient de l'intérêt. Probablement à pas se cacher. L'intérêt. J'ai si la fin. I thought you were out seeing the world. Did that? Righteous times. Thought I'd try settling down for a while though? Like I love danger and daring do as much as the next person. Je suis tellement content de te voir. On va faire la fille sympa, écoute. Hein. Okay. Well, I'm so glad you're here. Man, that is just the sort of warm welcome I had hoped. You rock, Jesse. Jesse Lapin. Between you and me, magique, I'm worried that I won't like fit in here. So many rad builds, awesome people. Oh, il a l'air content. I really want to make like a good first impression, you know? Which I thought might be helped if my front yard had a statue by the one and only Jesse. Statue de Jesse dans le jardin? C'est clair, c'est plutôt classe. Not sure if I have time, but I'll see what I can do. Hey, this is going to be so cool! Scoop up that clay over there and let's get to business! Bon, je pense que j'ai pas trop le choix, allez, vas-y. Il y a une petite statue à l'ancienne. Une petite statue à l'ancienne comme il faut. Ah, a blank canvas. Une page blanche. What? Ah, d'accord, première fois qu'on a un truc aussi complexe. Waouh, d'accord, je vais vraiment faire la statue que je veux. Ça va être chaud, faut. Ça va être chaud. Alors, LT pour placer un élément d'environnement. Ok. Ça va être compliqué, on peut aller en hauteur, oui. C'est chaud, dis donc. Ah merde, bon zut, petit fail. Parce que c'est pas logique, en fait. Normalement, ça va être le tir pour poser, c'est l'inverse. Le tir, c'est pour enlever. Du coup, ça fait un truc un peu spécial. Écoute, on va essayer de faire une statue pas trop dégueulasse. Je pensais faire une sorte de boule croix. Le problème, c'est que, vas-y, pour avoir... c'est un peu compliqué. Mais on va y arriver. Je suis tellement bon en structure sur Minecraft, en plus. Je suis un dieu de la construction. Hashtag pas du tout. Est-ce que tu arrives à me mettre derrière? J'arrive pas à me mettre derrière toi, je peux pas me pousser la caméra plus malheureusement. Ce qui est clairement pas très pratique, mais moi écoute, pas grave. On va changer de couleur du coup. On change de couleur, on passe sur du jaune. Tenter un truc différent. Attends, si je mets un petit cube blanc, on va partir sur quoi? Bah, je partirais bien, c'est dans un cube jaune. On va essayer de faire un truc qu'un temps soit peu joli. Pourquoi on a une. Retire un bloc, d'accord, ok. C'est pour le faire différemment. Je pense qu'on va pas. Attends, mais c'est chiant parce que le bouton pour tirer, normalement ça aurait dû être pour le poser, puis non, là c'est l'inverse. Du coup, ça me perturbe à chaque fois. J'essaie de faire un truc relativement. Dégueulasse, écoute, on va pas se cacher. À un moment, faut accepter la réalité. On peut dire que notre cube est à peu près dégueulasse. Hein. Mais écoute, on l'assume. On l'assume et un dernier comme ça. Bon, pas beaucoup de différence de couleur, tu me diras. Pas grave. Hein. Pas grave, écoute, moi j'aime. On part sur un truc relativement simple. Qui se prend pas trop la tête. Ah, je peux aller plus haut. D'accord, bon, bah écoute, voilà. Est-ce qu'on rajouterait pas un petit cube brun pour signaler le baf? Genre, non monsieur, ne passez pas par ici. C'est une zone réservée aux VIP. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais écoute, c'est de l'art. C'est de l'art moderne, tu peux pas comprendre. Regarde-moi ça. Regarde-moi cette sculpture de qualité. Terminée. La statue est parfaite. Elle est splendide. Je suis un artiste. That is some sweet work. Nice. J'adore. Comme c'était écrit, il n'y avait pas un souci. Oh, Jesse, dude, thanks. It was my pleasure. Well, it is an honor, mi amigo. And don't be a stranger, okay? Well, she is a fascinating woman, isn't she? Ah, c'est une femme, very je crois que c'est un homme. Spirited. Yeah,
Kind of reminds me of Petra back in her early days. Speaking of whom, you said she's waiting for me at the... Mineshaft. Mm-hmm. Dans les mines. In the mineshaft. Statue, regardez. Elle continue à avancer un petit peu. Qu'en a par ici? Elle bien évolué, la vie femme. Oh, Wink, get back here. Leave Jesse alone. Hello there, Jesse. I was wondering when we'd run into each other. Ah, je me marre parce que... Parce que je peux pas te marrer. Oh, la voix du gars. Rappelle ton chien, ça me surprend de te voir là. Well, it's so great to see you. J'ai dit qu'on était gentils. Même si j'avoue que je mettrais bien un coup de pied au cul du chien. Yeah, totally. Rappelle ton chien, il va bouffer. Oh, Wink. Here, Jesse. Give him a bone and he'll calm right down. Merci, chien. Bouffe. Compagnon, donner un os. Oh, quoi compagnon, ça a aucun sens. C'est caresser, c'est pas compagnon. Here, Wink. Nice, tasty bone. Aw, see, he likes you. Yeah. You want the rest of these back? Nah, hang on to them. I've got tons. You never know when you're gonna need to tame a wolf. Bon, on a compris. Thanks. On va devoir amadouer un loup. I imagine you're terribly busy, so we won't keep you. But you should come and see what we're working on because it's pretty cool. It's pretty cool. What Sammy said. Anyway, our place is by the gate. Will do. See you guys later. Il avait vraiment une voix spéciale, le monsieur. C'est pas méchant, mais on peut dire qu'il avait un petit peu une voix de merde. Bien à toi. Et du coup, j'ai pas joué à Minecraft depuis tellement longtemps. Alors ça, c'est la dernière nouveauté, il me semble, qui est sortie, les petits perroquets, là. Si j'ai pas de la merde, faudrait que je m'y remette. J'ai tellement envie de m'y remettre, mais voilà. Faute de temps, je peux pas aller par ici. Oh, d'accord. Le jeu ne veut pas que j'aille par là. Écoutez, j'ai envie de voir, tant pis. Qu'est-ce que t'as proposé? Tu vends des torches? Parlez. Oh, citoyen, wow. Bienvenue. It's really you. My friend told me this was a recreation of your first big build, way back before the Witherstorm, before all that stuff. Is it true? You have got to tell me more about it. I can barely even picture it. I have devoured everything Lucas has written about you. Je suis un héros. Huh, all right. I love talking about the good old days. J'adore parler de moi. Ça fait ça. Genre la vie de tellement envie de sa personne. Where did your inspiration come from? Was there a deeper meaning? Oh, or like a critique of the world? Star Creeper. It's a creeper. Wow. Oh, I thought maybe there'd be more to it than that, but guess not. What I really wish I got to see was what you built to take down the Witherstorm. Now that must have been terrifying. The world coming apart at the seams. Tentacles everywhere. Ouais, on a de super, c'est pas si terrible, allez, vas-y. Fais la fille forte. I just looked it right in its dumb world destroying face and said, "Hey, you." C'est vraiment nul. Ne bouge pas. Je n'ai pas eu peur une seule seconde. D'ailleurs, entre-temps, j'ai changé de sexe. Parce que j'ai eu tellement peur, je me suis transformé en fille. C'est totalement mais sexiste. Cet épisode, c'est l'épisode du sexisme à un niveau là stratosphérique. Est-ce qu'on continue sur cette vague avant de se faire complètement défoncer par les commentaires? Ou est-ce qu'on se calme? Je rigole, je précise. Détendez-vous. Best pig that ever lived. Ah ouais, le pauvre cochon, bah oui, il est mort. Oh man. I wish I could have met Ruben. Moi aussi. He sounded amazing. I read Lucas' book the other day. Non, pas du tout, c'est les allergies. That chapter about Ruben almost got me crying right there. He was a hero. Saved everybody. Il est mort. He'd be really excited about how great Beacon Town is now. I bet that's totally true. Oh my gosh, it's you! Oh yeah, it's me. It's me! What are you doing here? Je suis le héros de cette ville. This is actually perfect. For Founding Day this year, we're picking a pig to play the part of Reuben on the float. Oh, that's really cute. Oh, ça va être difficile. Quel cochon pourrait bien lui ressembler? I mean, who knows Reuben? Ils sont tellement différents, frère. Yeah, talk about knowledgeable casting. I would love to. Seems like the least I could do. Oh, that's fantastic! Thank you so much! It's fantastic! Alright, let's see him. Wow, dis donc, ils sont vachement variés. Show Jesse your good side. Ok, les gens vont. Oh, le truc glauque. That's Esteban. Esteban, Lulu le Juflu et Monseigneur Fulgoropop. Ah bah écoute, Monseigneur Fulgoropop, y a pas trop le choix. Ils sont identiques. Non, Fulgoropop 6. C'est juste obligé, cher. My vote is for Lord Von Thunderpork the Sixth. No question. Look at that regal little guy. Avec un nom pareil, tu peux faire autrement. Really? Ah, I knew that's who you'd choose. Fantastic! Congratulations! Bravo, tu vas finir en...
Il va finir sur le feu ce soir. Fêtez ça. Bye. D'accord. Ils sont, ils me tendent un petit peu d'être tellement contents et tellement de sourire. Il y a trop de bonheur dans la ville là, ça devient presque perturbant. Trop de plaisir à regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, récupérer la canne à sucre. Récupère. Sugar. Nice. Ça sert toujours. Si on peut prendre un truc dans le jeu, il faut le prendre. C'est la règle de base. Ça te servira forcément, enfin. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui traînent? D'ailleurs, ça commence à être un peu long l'épisode. Mais j'aimerais bien arriver à la fin de découvrir de la ville. Avec vous. On peut aller par là ici ou pas? Non. Mur invisible. Citoyen, que faites-vous? Ça a l'air rigolo, Jesse, ça, dis donc. Non, tais-toi, je parle au citoyen. Hey, hey, look who it is! Jesse, hey! Hey, guys. What are you doing? Glad you asked. We're working on a new game for Founding Day that I guarantee you is going to be all the rage this year. Un trampoline. Slime diving. Oh. Want to give us a hand finishing it up? I'll let you take the first dive. Bye. Ah bah écoute, tu feras le premier plongeon carrément. That moi je pense. Sounds awesome. Let's do it. We're going to be diving off this excellent pagoda Bob designed, but we can't decide what material to use. Quel matériau, enfin. Étant donné que je suis une fille et que c'est l'épisode du sexisme, de la laine rose, bien entendu. Let's get to it. Oh putain, cet épisode. Vous avez le droit de m'insulter en commentaire, vous êtes autorisé. On se prend dans les Sims. Où je mets du rose partout dès que c'est une fille. That turned out great. And just like I promised, you can take the first dive. Ah, c'est ridicule, just c'est beau. Aim for the slime. It'll be great. Alors, saut de l'ange, double Jesse, twist, place sur le ventre. Saut de l'ange. C'est quand même plus Ta-da! Classe. Thanks, everyone. Jesse, that was incredible. Incredible. Amazing. You are beautiful. You are amazing. No problem. Look, my friend's waiting, so I gotta run. But nice work. Bon travail. Bah, écoute, merci bien, très cher. Un peu longue cette visite de la ville quand même. Citoyen. Parle. Oh, Jesse. Wow. Hi. And just checking out my latest build from the ground. I'm worried it doesn't, you know. Un peu verru. Is pourquoi it putting donc the right energy into the universe? Is it the appropriate addition to the tableau that is Beacon Town? Ça perturbe cette phrase. J'ai envie de le dire. Could maybe use a bit more wool, I guess. Oh le bug. On n'a pas la voix. On a le sous-titre, on a la bouche qui parle, mais on n'avait pas la voix. Okay, bah, je confirme, ils ont pas débugué le jeu, c'est encore c'est tout aussi buggé que la saison 1. Is he okay? No, I don't think so. Et pourtant, ça demande pas beaucoup de boulot, je veux dire, c'est un jeu tellement basique. C'est un truc de fou. Telltale Game font vraiment des jeux de merde. D'un point de vue débugage, c'est vraiment catastrophique. Il faut un moment qu'ils travaillent un petit peu leur débugage. Ça pourrait être sympa. Hello, Jesse. I am telling you, Stampy, it needs to be pumpkin pie. But cake is the best, and I would know. I have it every morning for breakfast. There's some sort of problem here, guys? Hello, Jesse. We heard about this Founding Day celebration of yours, and we thought we'd make some sweets. Ah, je pense que mon sucre va servir. And now I'm trying to convince Mr. Stampy here to make the right decision and pick tarte pumpkin citrouille. Pie. There you go with those leading presentations again. Just, not everyone bah, wants deux, écoute. Cake, Stampy. Moi, je veux les deux. Why don't we have both? Oh, that's a wonderful idea, but we don't have enough ingredients. Qu'est-ce qui te manque? True. Here, you should just take the ingredients and decide for us. Trop sympa. Yes, I fear we're going to be debating in circles all day otherwise. Moi, je veux du sucré, écoute. There might be some extra eggs and stuff around town. I bet you could find enough to do cake and pie. On a déjà pris le sucre. Don't have a ton of time, but I bet they'd be super surprised by that. Une belle grosse surprise. C'est sûr. J'en ai le timer. Écoutez, j'ai peur de qu'on se laisse là et puis que ça soit déjà la fin de la ville, mais écoute, c'est pas grave, on va cesser là pour épisode 1, j'espère vraiment que ça vous a plu. Quoique non, je pourrais pas sauvegarder, non, il faut, parce que du coup, faut que j'aille monter ça tout de suite, donc je pourrais pas sauvegarder. Donc non, faut vraiment qu'on arrive à la fin, je n'ai rien dit, on continue. Des poules, qui dit poule dit œuf. Voilà, parfait. Fin. Il faut vraiment qu'on finisse cette zone de la ville, comme ça, c'est pour sauvegarder. Maybe that'll help me settle Stampy and Stacy's little disagreement. Exactement. Excuse me, ma'am. Thank you. C'est n'importe quoi. Regardez, est-ce qu'il y a pas... Il faut autre chose peut-être? Qu'est-ce qui te manque? C'est vrai que je sais plus du tout les recettes pour faire ce qu'ils m'ont demandé. C'est mignon le petit perroquet. What a lovely garden.
Ouais, c'est mignon, mais on s'en fout. Ça t'apporte rien du tout. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour crafter? Déjà, comment je crafte? Ça va être la grande question existentielle. Comment je peux crafter? Et une table de craft, ça serait une bonne idée en fait. J'en appuie sur tous les boutons pour rien. Il faudra forcément une table de craft. Alors, il y a sûrement une table de craft à côté. Non, pas table de craft. Ah voilà, établi utilisé. Est-ce que je peux faire les deux? On a du sucre, on a des œufs. Alors, utiliser A pour sélectionner un objet d'artisanat. D'accord. Sauf que moi, je ne sais plus ce que je dois mettre. Comment je suis censé savoir? Attends, vas-y, affiche les recettes. Ouais, c'est plutôt ça en fait. RB. RB. Alors, tarte à la citrouille. Gâteau. D'accord, déjà la tarte à la citrouille, c'est relativement facile. On va tenter de la faire. Alors, je dis ça, mais j'en fais déjà plus de la. C'était quoi déjà? Je sais plus. Ah, je suis un boulef. Je suis un boulef. Attends, comment je peux faire? Tac. Voilà. Juste là. Non, le sucre. Sucre là. Le dernier, c'est quoi déjà? Attends, non, enlève. Et le dernier, c'était. Ah, je sais plus quoi faire. L'œuf. J'ai une mémoire de poisson rouge. C'est bon. Créer. Une première tarte. Est-ce que j'ai assez pour faire l'autre? Alors, afficher la recette. C'est l'autre. Alors, 3 lèvres, 2 sucres, 1 œuf. Là, je m'en rappelle déjà plus. Je m'en rappelle déjà plus, ne vous inquiétez pas, on va essayer de faire ça bien. J'allais ça. On va essayer d'être optimé. Hop, enfin, optimiser ça. Parce que j'ai une mémoire de qualité. Ensuite, sucre, sucre et œuf. J'ai qu'un sucre, mais j'ai ça. Quand tu veux pour faire la canne à sucre? Est-ce que si je la mets au milieu? Attends, non, retirer tout. Effacer tout. Comment je transforme le sucre? Canne à sucre. Si je pose ça, est-ce que je peux faire du sucre? Oui, je peux. C'est bon, on est sauvé. On est sauvé, on a notre sucre. Donc on a dit. Les 3 lèvres. Du coup, on a tout ce qu'il faut a priori. En théorie, en tout cas. Tac. Voilà. Le troisième lait. Ensuite, il nous fallait l'œuf au milieu. Enfin, j'ai le sucre, on va mettre. Tac. Un petit sucre là. Un petit sucre là. L'œuf, juste là, je crois que c'est bon. Et en dessous, j'imagine, c'est du. Ah non, le blé, j'ai pas transformé. Il faut le transformer, le blé ou pas? Non, faut pas le transformer. Je crois que c'est bon. Yes, c'est bon. On a le gâteau. J'ai eu des doutes, mais c'est bon. On a ce qu'il faut. On a tout crafté. Tenez les deux. Bouffez ça. Effectivement, la paix. Donnez du gâteau. Donnez les deux. Je vous donne les deux. She said pie. I said, why don't we have both? Surprise, motherfucker. This is very surprising. Yeah, that's awesome. Je reste comme deux. Found some extra ingredients around town. No big deal. Je sais, je suis well, tellement that's bon. Fantastic, elle est Jesse. Tellement envie de sa Thank personne. You so much. Yeah, thanks. This is perfect. Kicking butt. Ouais, ils sont contents les gens écoutent. Ah c'est mais c'est vraiment le monde de Bisounours. C'est vraiment ça, Simof. Mais on aime écouteurs. Vous êtes heureux, les gars? Look, I gotta run. Petra's waiting. I'll talk to you guys later, okay? Ok! Bye! See you! Enfin, non, see you soon plutôt. Enfin. Est-ce qu'on doit quand même continuer? Est-ce que ça a sauvegardé? Logiquement, ça a sauvegardé là. Donc, j'imagine qu'on peut se laisser là. Du coup, les amis, on va se couper ici. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, dis-moi ce que vous en pensez. C'est Bisounoursland. On le savait de toute façon, c'est fait plus pour les enfants, mais je me suis relativement bien amusé. Ça change un petit peu en vidéo, c'est cool. Par contre, les bugs. Je demande d'avoir un gars, j'ai une fille, les paroles qui sortent pas, enfin l'audio qui sort pas, c'est inadmissible. Il n'y a pas d'autre terme, c'est juste inadmissible pour un jeu où il n'y a que ça, c'est tellement basique, en plus il n'y a tellement pas de gameplay différent, ils peuvent pas rater un audio quoi, enfin la voix qui passe pas. Mais enfin bon, c'est pas très grave, pensez c'est un petit pouce bleu, et du coup nous on se retrouve dès demain pour la suite de l'aventure du coup. Gros bisous, ciao ciao!